Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui je vais vous parler des remparts. Donc je vais vous parler des remparts d'abord et ensuite une astuce pour améliorer ces remparts très très rapidement. Donc tout d'abord les remparts. Donc jusqu'à quel niveau les monter? Donc les remparts, voilà, je me suis posé cette question et beaucoup se posent la question aussi. Et donc moi je me suis dit les remparts, le mieux ça c'est de les monter jusqu'au niveau 7. Pourquoi? Parce qu'après le niveau 7, vous avez l'âge des 8, donc après vous êtes amélioré rempart niveau 8. Et donc là, c'est. Donc là encore ça va. Mais dès que vous arrivez HDV9, vous avez le sort de saut. Le sort de saut, que vous aurez à l'HDV9, le sort de saut, donc qui permet de sauter au-dessus de vos remparts. Donc personnellement, je pense, vu le prix des remparts au niveau 8, et vu le saut, enfin ouais, vu qu'il y a des sorts de saut, tout ça, je vous conseille d'améliorer vos remparts jusqu'au niveau 7, et ensuite de ne pas améliorer vos remparts, enfin de ne pas améliorer, bah, si vous avez l'or et les serins en trop, améliorez-les, mais sinon je vous conseille pas de les améliorer, parce que je pense que ça sera à rien, jusqu'à que vous ayez HDV9, je pense, et que là vous commencez à les monter, parce que sinon ça sera à rien de les mettre à rempart 8, parce qu'en plus ça coûte super cher, je crois, ça coûte 500 000. Et après, je crois que ça coûte 1 million ou plus. 500 000. 500 000, alors que. Imaginez, vous mettez 500 000 dans chaque rempart. Et là, vous mettez un sort de saut. Ben là, vous vous dites, ouais, j'ai amélioré tout ça pour rien. Donc, ça m'est déjà arrivé quand j'ai monté un trophée assez haut. Donc, voilà, moi, je pense vraiment les remparts, les mettre à niveau 7, c'est bien. Jusqu'à l'HDV. Enfin, voilà, vous les mettez niveau 7. Et à partir de l'HDV 9, vous commencez à les mettre niveau 8, 9, 10. Vous le commencez après. Mais voilà. HDV7, HDV7. Les remparts niveau 7, je trouve que c'est très très bien de les mettre à remparts niveau 7. Et en plus, vous pouvez les améliorer facilement dès que les remparts sont niveau 6. Donc voilà, je vous conseille d'améliorer d'abord les remparts niveau 7 dès que vous avez l'HDV7. Donc dès que vous avez assez d'or et d'élixir, dès que vous aurez tout amélioré. Et ensuite, de les améliorer niveau 8, et niveau 9, et niveau 10, et niveau 11. À partir de l'HDV9, parce que sinon, avant, ça sert à rien. Vu qu'on vous mettra des sorts de saut à chaque fois si vous montez un trophée. Ou bah après qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous montez trop en trophée. Donc voilà, en plus, souvent on vous attaque avec des HDV8 ou HDV9-8 quoi là. Enfin par là, HDV7-8-9. On vous attaque souvent avec des troupes aériennes. Donc voilà, ballon, serviteur, dragon. Et donc souvent les remparts ne servent pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les améliorer. Niveau 7 à l'HDV7, ensuite les HDV, enfin les remparts niveau 8, 9, 10, 11, dès l'HDV 9 et ensuite HDV 10. Donc voilà, j'allais dire HDV 8, enfin j'allais dire HDV 9 et 10, normalement quoi. En gros, si vous n'avez pas compris, HDV 9, vous pouvez les améliorer jusqu'au niveau 9. Mais HDV 10, vous pouvez les améliorer, excusez-moi, jusqu'au niveau 10, 11. Donc si vous êtes HDV 8, vous pouvez pas les améliorer niveau 9. Donc c'est pour ça que, voilà, bref. Et donc, voilà ce que je pense des remparts. Donc voilà, améliorer les remparts niveau 7 dès que vous avez l'HDV 7. Comme je l'aurais dit encore, ça va être déjà 3 fois, mais bon, c'est pas grave. Et vous les améliorez après à l'HDV 9. Donc ensuite, ma technique pour améliorer les remparts très très rapidement. Que ça soit dès qu'on commence, ben là par exemple, je viens de passer mon HDV 8 il y a pas longtemps. J'avais les remparts. Attendez, là ma technique marche plus. Ma technique marche plus. Mais si elle marche toujours. Ouais, elle marche. Attendez, est-ce qu'elle marche? Ouais, elle marche. Donc ma technique, pas suprême, ma technique super, je veux dire super, pour améliorer les remparts très rapidement. Donc comme vous savez. On peut augmenter ses remparts assez rapidement, donc voilà par colonne. Là, si j'améliore toute la colonne, je fais sélectionner et ensuite je fais améliorer. À partir des remparts niveau 6. Mais là, comme vous avez vu, quand je clique sur sélectionner, il y a un seul rempart niveau 6 et ça marche pour tous, alors qu'ils ne sont pas tous niveau 6. Vous avez vu? Et je peux tous les améliorer. Alors qu'avant, on pouvait pas. Par exemple, celui-là, je peux aussi. Ouais. Oh, ouais. Bizarre. Je crois que je vais aller vous apprendre une technique. Je crois que c'était à partir de l'HDV des remparts niveau 6 qu'on pouvait les améliorer. Les remparts. Tous.
Par exemple, regardez. Là, si je mets tout ça à côté, ça va me coûter un bras. Voilà. 1 million 2. Donc voilà, ça c'est une technique pour améliorer ses remparts assez rapidement. Donc attendez, voilà. Donc voilà, ma technique pour améliorer ses remparts très rapidement. Allez. Attendez, on va sélectionner cette rangée par exemple. Là vous avez vu cette rangée, on peut pas. Peut-être pas. Ah oui, peut-être parce que c'est pas possible. Parce que regardez, c'est 5 000, c'est pas possible, je crois. Mais celle-là, je crois que c'est possible. Ouais, 4 millions 5, vous imaginez. 4 millions 5 pour améliorer tous ces que ces remparts. Donc voilà, c'est une petite technique. Mais je crois qu'en fait, je croyais en fait, je crois que c'était une technique, mais en fait, je crois que vous la connaissez déjà. Car je crois qu'on pouvait améliorer que ces remparts dès qu'ils étaient HDV, dès qu'ils étaient HDV, dès qu'ils étaient niveau 6. Mais en fait, là, regardez, ils sont niveau 5, j'arrive à les améliorer. Donc c'est, enfin, je peux les améliorer tous en même temps. Donc c'est assez bizarre. Ouais, c'est assez spécial. Bah, je crois que je savais pas qu'on pouvait faire ça, tiens. Je savais pas, bah, j'ai appris un truc aujourd'hui en même temps que vous, si vous l'avez pas appris. Donc en fait, on peut améliorer ces remparts dès le niveau 1, tous en même temps. Allez, donc en gros, j'aurais pu faire ça au lieu de me les faire un par un. Là là. De toute façon, je resserrerai au niveau 9 et je vous dirai, mais bon, ça sera dans longtemps, je pense, dans 2 ou 3 ou 4 mois. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Ce que je pense des remparts, jusqu'à quel niveau il faut les améliorer. Et la petite, excusez-moi, technique de fin pour améliorer ces remparts rapidement, même s'ils sont niveau 1, 2, 3, 4, 5. Après 6, c'est normal parce que il y a eu la récente mise à jour de fin août 2014. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite, enfin très rapidement. Donc. Allez, à plus.